Voilà, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kerakoum dayrin, haya. Toukouna ala rabbi. Lyoum ghadi ndirou nnaqash. Kaak nnaqash. Je suis avec un groupe de femmes. Salam Mimi. Salam alaikum. Salam Warda. Bonjour à tous. Voilà. Donc ensemble, on va faire nnaqash, kaak nnaqash. Je suis en compagnie de Mimi de Bruxelles et Warda de Chambéry. Voilà. Et moi, je suis de Grenoble. Donc, vous avez bien compris, de 3 bols de farine, alors que c'est 3 bols et demi. Là, pareil, j'ai coupé le sang pour mieux vous expliquer. Alors, les 3 bols, Monsieur Marmibze, vous avez vu, hein, ça manque toujours un petit peu. Alors que ce soit toujours pareil. Voilà, comme ce soit la farine ou là, le gras, c'est pareil. Vous avez vu, il faut vraiment respecter les quantités exactes. Voilà, compris qu'on a oublié une demi-farine. Je sais, c'est pas la peine d'écrire. Hein? On a oublié. C'est normal. On peut oublier. À coup, je fais avec le bol, fille des zestes de citron, fille l'eau de fleur d'oranger ou fille donc, bhadak radin le mou la pâte, bien évidemment. Je suis désolée, j'ai coupé le sang pour faire la vitesse, malheureusement. Mais c'était une très très bonne ambiance. Ma Mimi, Warda, il y avait Kalima aussi. Et j'avais aussi ma voisine Yemina qui est passée nous faire un petit coucou. Donc quand il y a l'ambiance, franchement le gâteau m'a très souche. Mais malheureusement, j'étais obligée de couper le sang pour activer un peu la vidéo, sinon elle était trop longue. Hassoul Kouchir Abayin, t'es la vidéo. Et avec le mal et ça fait toujours bien sûr pour enlever le zeste. Mais sinon, Kouchir Abayin ou Mefhoum, de temps en temps, Radin Moulimakoum pour vous expliquer. Merci beaucoup et à tout de suite. Donc voilà, Hedou, la levure chimique, mais vraiment très peu. Et ce que vous voyez là-bas, c'est la sucre vanille. Voilà, une bonne cuillère à café. Il faut de l'arôme quand même. Et sans compter que moi j'avais mis le zeste de citron avec le fait de climat. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Hein. Le mazal ou le mas, ça suffit. Hein. À ce niveau-là, je vais commencer à mettre. Alors le sucre, là, c'est le sucre cristallisé. Et je l'ai mis avec un peu d'eau. Après, le tartail, il doit bien. Pour ceux qui ne veulent pas, ils mettent directement du sucre glace. Hein. Donc la pâte déjà telle, elle me chambra déjà dès le départ avec le peu d'eau et le sucre. Et là, je vais rajouter le gras, bien évidemment, la même quantité que la farine. Donc maintenant, on a tout mis, on a débarrassé autour de nous, hein, c'est important quand même. On est down. Bismillah. Tukna alika Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. هذا هو الكاطو تاعي الاول كما قال لك نديرو غير الفال بون لا vous avez compris هذا demi bol hein c'est normalement هذا début مع الفالينه مي لا غلط حطكم نساتها مي سي با غراف je l'ai mis et tout s'est bien passé il y a pas de souci donc je suis دخلتها في la pâte et c'est très bien et ben ça arrive la غلط. Donc voilà, on y traite la farine, hein, malheureusement, erreur dès le départ, mais c'est pas grave. Hein. J'ai pu récupérer l'erreur, la faute. Donc, il y a Rakadji. J'ai pas mis beaucoup. Hein. Voilà. Rakadji, la moitié, t'as le bol. Il faut vraiment mettre. Comme j'avais mis déjà de l'eau avec du sucre, déjà, ça a mouillé la pâte. Et après, j'ai mis que la moitié. C'est vraiment ramassé quoi. Voilà. Kijikum kimahak. Odoroha. Voilà. Tkunhakatria. D'accord? On va la laisser se reposer le temps qu'on joue la farce. Bon, pour l'instant, voilà. Je suis avec Mimi, toujours avec Warda. J'attends Kalima aussi de Saint-Étienne. Bonjour Kalima. Bonjour. Voilà. Donc. Ouais.
Ça va, Saint-Étienne? Il fait pas beau. Il fait pas beau? Et Chambéry, il pleut chez vous? Et la Belgique, comment ça se passe? Donc, Anna, je pense que j'ai fini. Je vais la laisser se reposer un peu, le temps que nous jouions de la farce. Hein? Tout à l'heure. Alors, هذا الماء ما نقيسهش parce que غادي نوجد لا بات تاع الشلك العريان donc je vais l'utiliser. هذا اللو اللي فيه le zeste de citron والماء زهر والماء ما غاديش نقيسه simplement il est ندفيه avant de mettre la pâte. Donc ça reste, faut pas le jeter. Ami خليت كاع لي بول, je vais après tout à l'heure quand je finis le نقاش, كاك النقاش, je vais préparer la pâte et la farce à الشلك العريان pour demain. Donc il faut toujours la préparer la veille parce que du coup la pâte chèpe. Donc ça, je ne vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour la deuxième recette. Bon, ben j'ai coupé le son de la miss là, et je reprends ma voix parce que sinon, c'est parti pour 2 heures de vidéo et j'accélère en même temps. Alors là, j'ai pris 500 grammes, j'ai dit nichel, mais allez, mesure t'as la pâte, les 500 grammes de date, hein, de pâte de date, nichel. Et j'ai mis 1 cuillère à soupe de beurre et j'ai mis 2 cuillères à soupe de grains de sésame moulu. كما قلت في لا روسيت تجبد ديو ثاني القرفة اون كويير ا كافي اون بتيت كويير ا كافي اي دي كلو جيرانف اوسي واحد 3 كلو جيرانف ثاني مولو بون انا جي با مي هان باسكو جيم بيان غاردي لو فري غو دي دات سي تو مي سينو تجبد ديو دونك نخليكم تكملوا مع هاد المخلوقه مي طون طون جو لا كوب هان وليت معكم الوغ عجنوها بيان بيان سور شكرا الوغ بور لي ميزور لي درتهم انا في الكاك النقاش سي 10 غرام بور لا بات دو دات et 35 grammes pour la pâte. Voilà. Donc je vais vous mettre comme ça vous l'aurez. Là, j'ai mis des petits boudins de 10 grammes. D'accord, on va faire ça, on va façonner comme ça tous les dates qu'il y a maintenant, on met dans la place, mais je dois après on a juste à les farcir. À farcir notre pâte. Alors, j'ai fait quelques petits boudins qui maraquent. J'ai fait quelques-uns. La pâte, elle est rajoutée dans le frigo. C'est vrai que c'est bien de la mettre au frais. Hein. Pardon. Alors, c'est 10 grammes, on a dit, pour les dates. Et pour la pâte, c'est 35 grammes. Je confirme avec Moulette Chi. 37. 35 ou 37? 37. Moi, je fais 35. Hein. C'est déjà bien. Regarde. Donc dès qu'il marac, dès une petite quantité, on raboule la pâte et au fur et à mesure vous ramenez la pâte et vous confectionnez les boules et les boudins. Voilà, donc du coup je commence à étaler ma pâte à l'aide d'un petit rouleau. Vous formez un petit un rectangle et vous mettez votre date, boudin de date. وما توصلوش عند عند la fin de la pâte hein شفتوا sur les deux côtés vous laissez quand même un peu de pâte باش تجبدوا تدخلوا vous allez voir le pour souder le voilà votre cac تدخلوا le bout في l'autre bout et vous soudez après بالنقاش plutôt la pince vous allez encore fermer bien fermer l'ouverture. سمحوا لي الهضره ثقيله بزاف راني عيانه بالربعه تاع الصباح واحد راه واقف دونك جي دو مال ا بارلي سوتو كو جي بارلي بوندون براتيكمون 2 اور فهاد لا فيديو كنخليها لكم فيها جوج سوايع فاسيل. النقاش هذا الكعك تاع النقاش يلق يريح يلق ينشف ما يلقش ديرو في الكوشه تمتم باسكو فاس ديفورمي سي ان كونساي. انا درت لي بلاطو لي 3 جو لي 3 بلاطو خليتهم دو كوتي لميت j'ai fait la pâte تاع الكورن تشالك العريان j'ai lavé la vaisselle حصل عاد وليت نطيب فيه vraiment il faut qu'il chauffe باش la forme تاعها تقعد ما il se déforme pas voilà c'est un conseil et puis à prendre en considération hein, pour les débutantes mais je les professionnels parce que sincèrement c'est la première fois de le كاك النقاش mais vraiment je regrette pas hein, parce que j'aime beaucoup ce gâteau. C'est pour ça que il y a quoi de riche ou de la vidéo c'est pour vraiment pour les débutantes mais il y a quoi de distes écoute ça m'amène ouais ou la mendiche ou la non pourquoi pas il est très facile sûrement avec l'ouvre zé ou je te l'ai la forme
Mais à force d'élo, faire avec au bout de 4e, 5e, ça y est. Patience, la patience, prenez le temps et puis voilà. Donc voilà, je vous laisse finir de la vidéo. Hein. C'est bon, tout est bien expliqué. La couche tout, d'être plusieurs pièces avec vous. C'est facile. Ça, et le moment où la pâte, elle est belle, la farce, tani. J'ai oublié Michel, que ce soit la pâte, mais la farce, Michel. Voilà, donc prenez les mesures si vous voulez faire. Bon, j'ai oublié quand même 3 plateaux, vous allez voir. Hein. Sinon, comme vous voulez, moi, vous diminuez juste le bol. Donc, on va vous laisser avec la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire un chef, d'accord, au moins, si c'est possible, 2 heures avant de le mettre au four. Et puis voilà, sinon, le temps de cuisson, j'avais pas de temps, Naya. Il faut d'abord chauffer le four, bien évidemment, au moins un quart d'heure avant. Ou faites-le à 160. Ou faites-le orange. Mais je suis un hamar bzef. Cool orange. Donc il y a dit à la quantité déjà tenue par rapport aux mesures des semaines, ça va. 3 plateaux, c'est très bien. Donc, radin oui comme la cuisson et c'est bon. Kemmel ma'akoum had el naqash mhatr koum lyoum. Le temps de mit khach mel kouzina était 5h, voilà, tout simplement. Akoum chouf hal moi. Et wa ma3ndich, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà, ha wada el naqash ta3na ja chbab. Bien taïb juste ce qu'il faut, hein, machi mhamr bzaf. Vraiment une belle couleur. Et puis il ne s'est pas déformé dans le four, ça se voit qu'il a été bien réussi ce gâteau. Il faut respecter le temps de cuisson, le temps de repos. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre visionnage. Ou j'espère inchallah tejhou fi tani. Et bien, goulkoum à demain inchallah. Doutoum fi ri'ayatillah wa hifdi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلوا على نبينا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.